Bach avait une sorte de dévouement total, absolu et aveugle à sa religion et à son Dieu. Alors, sa religion, c'était la musique, mais la musique, elle était à chaque fois destinée à célébrer Dieu. On parle quand même d'une époque particulière et d'un type de musicien particulier. Il y a cet absolu, voilà. Bach, c'est une musique qui ne se satisfait pas de petits arrangements ou de compromis. Il y a un absolu. Un son chaleureux et ne pas avoir finalement utilisé tellement la pédale pour compenser une sécheresse acoustique qu'on trouve souvent dans les salles modernes. Et en plus, je trouvais que le sentiment religieux et mystique de Bach dans une église, j'imaginais que peut-être il pouvait se développer d'une manière plus évidente, plus claire. Ceci dit, je suis persuadé que toute la charge émotionnelle et spirituelle de Bach, elle peut aussi passer dans une salle qui n'est pas une église. Mais pour l'enregistrement, j'avais envie de cette atmosphère-là. Déjà pour moi m'inspirer, première chose, parce que le lieu est beau. Et puis d'autre part, pour avoir cette réponse acoustique qui, je trouve, convient à cette musique.
La musique de Bach, elle a une austérité sûrement dans son contenu, dans son message. Mais finalement, quelle sensualité, quelle énergie, quelle danse, quelle jubilation. Ça, c'est pas austère. Là aussi, Bach était un homme comme nous tous. Et en même temps, il était entre nous tous le seul à pouvoir nous délivrer ça. Disons qu'il y a une intensité, voilà. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout avec Bach, aussi bien dans la gravité que aussi dans la joie, dans ce côté festif. Et il y a même une œuvre que j'ai décidé d'enregistrer, la Toccata en Do mineur, dont la fugue a une sorte, je trouve, de folie. Alors c'est un peu bizarre de parler comme ça de la musique de Bach, qui est quand même une musique entre toutes équilibrées, construites. Mais derrière cette construction, on a parfois du mal à penser que l'émotion peut tout emporter. Et je pense que parfois, ça peut être le cas. Cette sixième partie se clôt par une gigue qui, moi, m'a toujours fait l'impression de Dieu construisant l'univers, c'est-à-dire une sorte de monde en expansion qui est en train de se développer sous nos yeux. Cet univers-là apparaît sous nos yeux en se construisant avec une force et là aussi une audace d'écriture presque inégalée, même dans les dizaines, voire les siècles à venir.
Thank you.